Bonsoir à tous, je vous laisse vous installer confortablement le temps que tout le monde arrive. Euh, donc n'hésitez pas à prévenir sur les réseaux sociaux, à prévenir euh, les membres de votre famille. Bref, euh, c'est le moment tout simplement de parler euh, crypto, c'est le moment de parler de price action, le moment de parler Alcoin. Pourquoi Parce qu'on va pas mal parler d'Alcoin aujourd'hui. Euh, on va faire une petite séquence sur les TPO parce que c'est beaucoup trop euh, beau pour pas parler de market profile. Ensuite euh, on, verra, on verra de la price action, on verra euh, des analyses d'alcoin. Et enfin, euh, je terminerai par euh, deux analyses d'alcoin euh, qui ont été les plus demandées sur les réseaux sociaux. Donc je pense que ça vaut le détour. Donc on va terminer le live avec ça. Je vous rappelle que pendant le live, il y aura des formations gratuites sur comment trader, euh, comment prendre un trade de A à Z. Qui seront offertes. Alors, les critères euh, pour offrir la formation sont discrétionnaires. Euh, ça sera en fonction de la participation pendant live, euh, en fonction des remarques pertinentes et euh, en fonction, euh, évidemment, voilà, de, de la bonne conduite. Donc, euh, voilà, petite surprise. Pourquoi Parce que euh, des, euh, des formations euh, gratuites vont tomber ce soir. Et enfin. Euh, on terminera encore une fois avec les analyses des deux coins les plus demandés. Alors, qu'est-ce qu'ils ont ces coins les plus demandés euh, Bah, écoutez, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble euh, à la fin du live. D'accord Donc, installez-vous confortablement. On attend que tout le monde arrive. Euh, on va renvoyer un petit, un petit coup euh, pour que tout le monde soit euh, prévenu. Et euh, on y va. Donc on va envoyer ça. Donc ce qu'on voit sur l'écran, les amis, c'est ce qu'on appelle un market profile. Qui connaît parmi vous ce que ça veut dire, ce que c'est, euh, qu'est-ce que ça représente euh, On va faire un tour dans le chat. Allez, bon j'ai fini de prévenir à droite à gauche. Je peux pas faire plus. Euh, ceux qui sont pas là sont pas là. Tant pis pour les autres. Euh, ils reverront le replay. S'il y a replay. Bref. Euh, du coup, c'est parti l'équipe pour un live. On en a pour une heure ensemble. Euh, J'espère que vous êtes prêts, que vous êtes en forme, que euh, vous avez pris, euh, vous avez votre carnet de notes euh, à côté de vous pour un petit peu essayer de... De décortiquer un petit peu ce chaos, voir un petit peu les perspectives, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui peut se passer. Bref, c'est ce qu'on va essayer de définir ensemble, ou en tout cas, c'est ce qu'on va tenter de définir ensemble. Euh, donc, encore une fois, je rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver, il euh, y aura des formations comment trader de A à Z qui seront euh, distribuées à la fin du live. Euh, elles seront di euh, distribuées de façon random, d'accord Donc c'est discr discrétionnaire en fonction de la participation sur le chat. Euh, donc euh, voilà, je vous invite à participer pour avoir une formation gratuite. Ensuite, il euh, y a deux coins qui, euh, que j'ai demandé euh, parce que j'ai posé la question sur les réseaux sociaux s'il y avait des coins que euh, je souhaitais voir, que, que vous souhaitiez voir analyser. Et il y a deux coins qui sont ressortis. D'accord Donc, ce n'est pas forcément des coins que j'ai dans le collimateur. Donc, on va les découvrir ensemble. On va essayer de voir ensemble si ça vaut vraiment la peine, euh, ces coins en question. Et euh, bref, en tout cas, ça va susciter notre attention. Donc, je reviens brièvement sur cette séquence de Market Profile parce qu'elle est parfaite euh, et elles sont parfaites. D'accord Donc, euh, ce que fait le prix avec les Market Profile, euh, c'est millimétré actuellement. Et euh, ça nous le prouve tout le temps. Euh, on a eu d'abord... Euh, donc, ces espèces de corrections violentes qui se sont mises en place. On avait laissé ici un TPO nu et on avait laissé ici euh, un Naked poc, nu. Et le marché, le prix a littéralement euh, revenu chercher au point près les deux éléments ici euh, au moment de la correction. Donc, vous voyez, à peu, à voyez à peu, la, euh, la précision finalement de, de, de l'outil. Et euh, hier... Euh, du coup, hier pareil, où on est venu chercher au point près euh, le deuxième naked POC ici qui traînait, on est venu combler la totalité du single print. Hein, donc en fait, c'est une sorte de gap euh, ici qui s'est mis en place, hein, c'est une sorte de squeeze. Euh, donc ici, on voit qu'il n'y a qu'un seul bloc, donc c'est ce qu'on appelle un single print. Donc en gros, hein, c'est ce qui s'appelle un gap, euh, un fair value gap. Bref, on l'appelle comme on veut. Et euh, par la suite, en fait, ça a été comblé violemment. On est venu chercher le premier Naked pock, deuxième Naked pock. Hein, et au point près, on a rebondi dessus. Et euh, là, ce matin, pareil, on s'est fait les trois Naked pock. Et on est revenu sur l'ancien TPO, euh, quasiment au point près, en fait. On, re on rebondit sur les zones, les mêmes zones. D'accord et, euh, et pareil, d'accord La zone qu'on a là. Elle va probablement par la suite servir, etc., etc. Donc, c'est ultra précis. Et euh, maintenant, personnellement, comblé avec l'open interest, couplé avec la price action, euh, pour moi, c'est voilà, c'est indispensable que de regarder euh, ce qui se passe sur l'order flow et les market profile. Tout simplement parce que euh, c'est écrit ici, les réponses sont là. Hein. Euh, là où le prix a passé du temps, c'est pour une raison. D'accord. Et si le prix a passé du temps, c'est qu'il y a eu de l'accumulation, de la distribution euh, sur le temps. D'accord. Donc quand ces niveaux euh, se détachent, ça devient par la suite euh, des excellents repères, euh, comme vous pouvez le voir à chaque fois, euh, pour chercher euh, des entrées. D'accord. Est-ce que c'est clair pour tout le monde euh, Ou il y a besoin d'explications de, supplémentaires Clair, très clair. Donc, si c'est clair pour ceux qui me disent que c'est clair, c'est cool. Euh, euh, ce qui m'intéresse aussi, c'est si pour quelqu'un c'est pas clair, d'accord. Faut pas hésiter à le dire. Euh, S'il ya des questions, euh, c'est le moment de les poser. Donc, ceux qui me disent que c'est clair, euh, c'est clair. Mais justement, il faut savoir ce que... Donc la partie bleue. La partie bleue, c'est ce qu'on appelle le value area. C'est là où le prix a passé 70% du temps sur euh, la session. D'accord Donc là, c'est des sessions journalières. Donc en gros, euh, ça veut dire que ça représente en gros euh, le point central euh, de la price action. Et ça veut dire que quand le prix dévie... Euh, on va dire du centre, il y a de fortes probas qu'on réintègre le centre. Donc, euh, c'est un repère. Euh, et donc, on se sert des bornes, hein, des bornes des, des value area comme support et résistance. D'accord Vous voyez qu'ici, euh, c'était un value area. Et là, on s'en est servi comme résistance. À part la suite, il a servi de support. Et après, il a cédé, etc. D'accord Mais vous voyez que même là, c'était un value area. Donc, c'est des niveaux euh, où le prix a passé du temps. Donc, c'est des niveaux où euh, forcément le prix aura tendance à revenir. C'est des market profiles, ce n'est pas un indicateur. On peut examiner les market order. Alors, on peut examiner les market orders. Donc, ça, c'est les market profiles. À ne pas confondre, du coup, avec l'order flow. D'accord Donc, l'order flow, c'est quoi L'order flow, c'est les flux des ventes au marché et des achats au marché en direct. D'accord Donc là, tout ce qu'on voit, c'est des ordres au marché. Donc, ça nous permet en fait de scanner les niveaux où il y a euh, des éléments techniques qui nous permettent de savoir ici qu'on peut potentiellement détecter un top, un bottom et un point de rebond. D'accord Pourquoi Parce que ici, grâce au Delta, on peut interpréter ici euh, ces chiffres pour potentiellement euh, mettre en place ou découvrir des bottoms. D'accord Donc, vraiment, l'idée, c'est d'apprendre à cerner des niveaux qu'on n'avait pas forcément avant. Hein, vous voyez, tous ces traits rouges, c'est des niveaux importants. Et en plus de ça, euh, on arrive à avoir du coup euh, voilà, une price action qui se détache et on on arrive à avoir des points de jonction, des points de retournement assez importants, notamment aussi avec l'observation des imbalances, de la VWAP, de l'open interest, etc., des market profiles, et ici euh, des Footprint Bar statistiques. Donc ce n'est pas sur TradingView, Villamur. D'accord Ça, c'est euh, de l'order flow. Pour lire l'order flow et les market profiles, il faut des logiciels spéciaux. D'accord euh, du coup ça c'est plus voilà quand on commence à se professionnaliser en trading, on regarde de ce type de choses. Moi ce que je conseille, d'accord Donc les bases des bases pour euh, être outillé et euh, on va dire surfer convenablement le marché comme indicateur et comme chose nécessaire. D'accord Donc ça pour moi l'order flow market profile, c'est du niveau 2. C'est quand on commence à comprendre la price action. Mais pour moi, le plus important c'est de dominer déjà la compréhension de l'open interest. D'accord Je pense que ça, c'est déjà une des bases. Une des bases de base que de savoir, que de comprendre, que de, de lire et interpréter les mouvements ici sur l'open interest, sur le bitcoin en aggregate et sur euh, l'ensemble hein, des, des coins, etc. Donc pour moi, je pense qu'on ne peut pas dominer euh, proprement, convenablement. Euh, le trading, enfin, euh, en tout cas personnellement, hein, peut-être que des gens seront prouver le contraire, mais sans avoir euh, des notions ou sans avoir ici, euh, on va dire, euh, de regard sur ce qui se passe euh, sur euh, l'open interest. Ça me paraît impensable que trader sans euh, comprendre ce qui se passe ici sur l'open interest. Par exemple, ce qui peut ici, ou en tout cas moi, ce qui m'interpelle sur l'open interest. C'est deux choses. D'accord? La première, donc la première des choses importantes, c'est qu'on arrive sur un ATH d'open interest. D'accord? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que euh, sur ce sommet ici, on a déjà échoué. Et le prix a déjà échoué. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a de fortes probas. Que quand on aille euh, chercher, donc on a encore 2 milliards, euh, quand on avant qu'on vienne chercher ça, eh bien il y a de fortes probas que ça soit un superbe point de prise de profit. Personnellement, je le vois comme ça. Donc globalement, quand on regarde l'open interest, euh, il y enfin voilà tout vise à, à croire qu'on va encore augmenter et probablement. Personnellement, ma thèse, c'est qu'on on, on, s'échoue, ou en tout cas qu'on corrige euh, violemment sur cette mèche. D'accord Ou en tout cas, personnellement, c'est comme ça que je vois ça. Euh, du coup, euh, où peut-on examiner les market orders On peut examiner les market orders sur l'order flow, ce qu'on vient de voir à l'instant sur ExoChart, euh, mais qu'après pas. Euh, quel indicateur d'entrée C'est pas dans TradingView. Les ventes de l'order flow sont dispos sur ton site Il ne me semble pas. Précision niveau 2. Non, le niveau 2 n'est pas encore dispo. Euh, mais les ventes euh, du, du 2 vont être disponibles incessamment sous peu. Ça sera euh, du coup la première semaine d'avril. Je crois que c'est le 7. Le niveau 2 arrive, d'accord Donc euh, préparez-vous. Euh, parce qu'il arrive euh, du coup en avril. Donc, niveau 1 avait euh, fortement fonctionné. Euh, C'était quand même un, un sacré numéro, le, euh, le, le, la formation Order Flow. Je pense que tout le monde a relativement apprécié. La formation niveau 2, bah, ça sera une continuité et euh, beaucoup plus de stratégies, des nouvelles interprétations, euh, des, nouveaux, des nouveaux endroits pour potentiellement se placer, etc. Euh, C'est l'objet de, de, de la niveau 2. Non, la niveau 2 n'est pas encore tournée, et elle sera tournée, et les inscriptions vont débuter très bientôt sur le site. Alors, autre chose importante, pour ceux qui ne le savent pas, il y a un petit tournoi euh, qui se joue actuellement sur Zoomex. Donc c'est un tournoi où on a euh, mis une cave euh, à, à 200. Euh, donc c'est relativement accessible. Et euh, bah, l'objectif, hein, c'est euh, bah, de se tester, c'est de voir un petit peu comment on réagit à la pression, c'est voir si on est capable d'avoir des, des statistiques, euh, c'est voir voilà si c'est tenter, tout simplement, euh, voilà, d'avoir de, 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 une, un, une un sorte de, de suivi. Euh, sur ce qui se passe donc euh, du coup c'est en ce moment que ça se passe d'accord et euh, du coup vous pouvez vous inscrire j'ai passé le lien ici et euh, ici comme vous pouvez le voir vous pouvez euh, inviter des amis bref et euh, pour l'instant le gagnant actuellement il gagne 500 dollars d'accord donc 500 dollars c'est le prix max donc c'est quand même cool euh, il reste encore 3 4 jours pour s'inscrire max donc, n'hésitez pas euh, du coup à vous inscrire euh, rapidement si vous souhaitez évidemment, euh, voilà, tester, vous tester tout simplement. C'est l'occasion de se tester. Euh, et si euh, quelqu'un en a les moyens et en ont les moyens de se tester, il ne faut pas hésiter à le faire, d'accord Donc, je vous rappelle que euh, les participations comptent ce soir, d'accord euh, on a mis en place euh, quelque chose de, de discrétionnaire dans le sens où euh, on s'est dit qu'on allait ouvrir euh, une formation VOD euh, de comment, trader, comment ré réussir son premier trade, donc une formation débutant qui vous explique l'intégralité des pas pour prendre un trade convenablement. Et euh, du coup, on a décidé d'en offrir une ou deux euh, pendant le live et euh, du coup, on choisira euh, parmi euh, les participations euh, de ce soir. Ouais, on attend tous. Bah, je comprends. Donc, ensuite, on passe du coup maintenant au. Ah, donc il y a cinq formations gratuites. Les premiers arrivés pour obtenir gratuitement la formation. Donc, il y a euh, un message épinglé. Donc, attention hein, pour les premiers arrivés euh, ici, cinq formations à euh, venir gratter. Donc. Euh, on va parler principalement, donc je fais une parenthèse order flow, pardonnez-moi, c'était important. Euh, du coup, j'ai vraiment envie de parler alcoin aujourd'hui. Euh, pourquoi bah parce qu'il y a des mouvements. Pourquoi Parce que euh, parce que bah ça bouge. Euh, parce que il euh, y a énormément de choses à dire et parce que euh, je pense que euh, il nous faut il faut une structure de travail. Il faut euh, une, euh, une, une réflexion Pour pas rentrer comme un bourrin partout Pour être structuré Bref bosser euh, Travailler finalement euh, Son entrée Travailler ses entrées etc etc Donc on continue Alors je vais commencer moi par ma sélection d'accord, de coins intéressants. Et ensuite, euh, je poserai euh, dans le public, du coup, euh, dans les commentaires, euh, euh, des, 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 euh, des coins. Et je terminerai par les deux altcoins qui sont ressortis euh, dans mon questionnaire, où euh, une majorité a voté pour ces deux coins. Et du coup, euh, on va revenir dessus. Euh, à la fin, euh, pourquoi Parce que ça m'intrigue, ça m'intrigue, euh, ça vous intriguera aussi de savoir pourquoi ces coins ont été choisis et euh, surtout si vraiment ils ont une perspective ou pas haussière euh, d'un point de vue graphique. Non, j'ai pas, euh, euh, j'ai pas changé le titre du live. My bad. Il faut que je change. Ah, il y a une formation qui est sortie. C'est cool. Il y a des gens qui sont rapides. Ah, les gens, parfois, ils n'hésitent pas. C'est bien. Hein. Faut être, euh, les opportunités dans la vie, ça arrive vite. Donc, euh, ça vous apprend à avoir le réflexe. Donc, on va commencer d'abord par euh, la base. Le numéro 3 en termes de volume. Solana. D'accord Donc Solana, qui est dans sa zone, d'accord Tout ça, c'est sa zone de supply, d'accord Pour moi, tout ce qui est compris entre euh, 147 et 300, tout ça, ce dernier mouvement, voilà, ce dernier mouvement haussier avant la baisse, d'accord Si on regarde, il y a deux mouvements qui ont créé euh, la baisse. Il y a celui-là. D'accord Donc ça, c'est le premier endroit où il y a eu massivement des gens qui se sont fait piéger. Et le deuxième endroit, voilà, c'est la suite de cette hausse. On a eu la correction la plus profonde. Donc globalement, c'est le cœur de là où il y a eu euh, le trap. Donc tout ça, c'est ce qu'on pourrait considérer comme une supply. Et là, actuellement, on se dirige niveau par niveau vers l'équilibrium d'abord et pourquoi pas euh, voilà, vers la partie supérieure etc donc le shop est à moitié chargé donc il a quand même consolidé, il a réussi à consolider donc il a de la force pour continuer en 4 heures le shop s'était chargé à fond il, il s'est déchargé à moitié donc il a encore de la, de la force et euh, et voilà et globalement en fait euh, je pense que euh, le... La, le Prochaine barrière euh, logique, c'est les 175. Et la deuxième, euh, l'équilibrium ici à 177. D'accord Ensuite, ça part en prix logique. D'accord Ça part en prix euh, rond des 200 dollars. Mais euh, il, là, il y va lentement. Il a quand même fait un gros travail de consolidation, ce qui est plutôt bon. D'accord Tout ça, c'est de la consolidation. Tout ça, ça a été de la consolidation. Donc. Actuellement, on va dire qu'il euh, y a une demande qui est soutenue. Donc, on voit que le prix ici n'est pas fatigué euh, pour hausser. Il y va doucement, mais, euh, mais, mais voilà, il y va et il a consolidé, ce qui est plutôt sain, ce qui est plutôt pas mal euh, quand on euh, voit, on va dire, une performance euh, ou une hausse sur un altcoin. D'accord Pourquoi Parce que c'est sain. Il y a consolidation, le prix a, a, a repris son souffle et maintenant se relance. Donc tout ça, c'est plutôt positif en général. Alors, casse pas, ouais, on peut... Euh, je peux le mettre dans la liste. EGLD, on va le mettre. Ok. En plus, il performe pas mal actuellement. Euh, donc, ok, on passe sur EGLD. D'accord Elrond, ce coin très aimé des Français. On se demande pourquoi. Elrondo. <laughs> EGLD. Donc, on va regarder EGLD. Alors, donc, on est venu chercher les 78 dollars. C'est pas rien. Bon, il y a quand même du boulot à rattraper hein, sur le EGLD. Il y a beaucoup de boulot à rattraper. Euh, mais, mais en monthly, le graphique il est pas dégueulasse. D'accord En monthly, on a euh, voilà, une belle cuve, une belle tasse avec Anse On a un énorme imbalance jusqu'à 120. Et globalement, si on continue comme ça, honnêtement. Avec un shop weekly chargé à fond comme ça. Le daily, bon, il, est, il a besoin de se recharger. En revanche. Mais globalement, quand on regarde sur une time frame weekly, c'est pas mal du tout. Euh, comme, comme graphique. D'accord Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le projet. Hein. Euh, il reste une formation VOD. Il y a eu déjà 4 gagnants. Donc bravo à tous. Alors, elle est gagnante. Donc, conclusion. Vous l'avez compris. En délit, je pense qu'il a besoin quand même de conso. Il tente, hein, Mais pour l'instant, c'est un échec. D'accord Pour l'instant, il n'a pas réussi à s'affranchir du sommet. Pour l'instant c'est un échec. Donc je pense que peut-être qu'il a besoin un peu plus de travail. En 4 heures, c'est pas trop mal. Mais voilà, il y a, il y a besoin, besoin d'une impulsion. Mais globalement, franchement, je pense qu'il faut le surveiller. Euh, parce que euh, c'est vrai que si vraiment il part, il s'affranchit des 80. Il peut aller vite à 120. Et c'est quand même non négligeable euh, de perdre. Enfin, voilà, de ne pas tenter un trade où on comblerait la totalité du gap. Euh, parce qu'il n'y a pas de price action ici quasiment. Donc il y en a un petit peu. À peu près là. À 100, forcément, c'est un prix psychologique. Mais, et c'est la moitié. Ça représente à peu près la moitié du range. Mais sinon, globalement, il n'y a presque rien, quoi. Non il faut pas s'inscrire sur ZoomX pour gagner la formation. Il faut surtout être attentif. Donc voilà, conclusion, pas trop mal. C'est euh, un beau coin, honnêtement, euh, structurellement parlant. D'accord, là je parle vraiment pas de du fondamental ou quoi que ce soit. Alors, du coup, euh, y a-t-il y, -t -il, euh, vous, euh, y t il parmi vous y a-t-il parmi vous des gens ici qui ont du mal à se positionner Est-ce que vous arrivez à naviguer actuellement sur, sur le marché ou euh, vous êtes spectateur du marché ça, c'est, je pense, une question pertinente. Euh, et surtout, mon objectif, c'est de potentiellement aider ou trouver des solutions pour aider ceux qui sont largués. Parce que euh, je pense que l'objectif euh, que je fais dans mon partage, euh, bah, c'est surtout, euh, surtout de, euh, voilà, de, de, de faire en sorte que, que les gens sachent... Le plus de choses possibles. Du coup, personne C'est quoi votre. Soit vous êtes lent. Solana, on l'a vu tout à l'heure. Alors, j'ai du mal avec mes entrées. Spectateur, pour le moment, je focus sur la PA. Spectateur, pas assez de pullback. J'ai pris une position aujourd'hui. J'ai du mal, mais je rentre souvent trop tôt. Je me fais pas forcément stopper, mais par exemple, je tombe souvent sur des mouvements où ça consolide et ce n'est pas explosif. Bah ça, ça arrive. Volonté d'entrer, mais pas, mais pas pour investir, pour trader. Ça, c'est pas mal, honnêtement. Investir, pour moi, c'est toujours délicat d'investir, euh, honnêtement. Euh, Après la hausse fulgurante qu'on a eue, pour moi, voilà, dire à quelqu'un de se jeter. Les bras croisés, enfin se jeter euh, sur, la, sur les prix, pour moi, c'est. Moi, j'ai du mal. Euh, Est-ce qu'on peut hausser Oui, on peut hausser. Est-ce qu'on peut aller beaucoup plus haut Oui, on peut aller beaucoup plus haut. Mais euh, globalement, euh, voilà, ça peut s'arrêter. Je pense que on est sur la S3, on est sur la S2, d'accord, du cycle. Donc pour moi, dans un cycle classique, d'accord il y a la première vague. Tac. La première consolidation. La deuxième vague. La deuxième consolidation. Et enfin, la dernière vague. D'accord Et vient du coup euh, la consolidation. Et là. On vient la saturation du cycle. On termine euh, du coup euh, par retracer. On retrace du coup euh, les deux cycles, enfin les deux saisons. Et potentiellement, hein, euh, bah, soit soit ça reprend à partir d'ici. Et du coup, la correction est suffisante et on reprend et ça repart potentiellement, ou euh, on retrace tout simplement le cycle. Mais pour moi, je pense qu'on est dans la S2, dans le sens où on a eu la première montée, on a eu la deuxième montée, on a eu la deuxième consolidation, et à mon sens enfin en tout cas comment j'interprète les choses, on arrive sur la phase où on va pousser encore le prix et probablement c'est celle qui engendre le plus de gens. Pourquoi Parce que les prix montent, les gens ressentent le sentiment oppressant de devoir investir et euh, on a du coup la, la vague la plus explosive et c'est celle qui retrace le plus rapidement. Donc... Euh, personnellement je, je pense je pense hein, c'est euh, malheureusement j'aimerais savoir mais je, je ne sais pas plus que on est dans cette on va aller dans cette S3 euh, du coup où on va euh, voilà on va ajouter du momentum et probablement du momentum de gens beaucoup moins euh, avancés que vous d'accord des gens qui veulent arriver qui vont arriver en touriste et qui vont arriver certainement euh, pendant la bataille, et qui vont euh, tout simplement euh, avoir mal quand, euh, la quand la guerre va, ou la bataille va, ou la, ouais, la guerre va se terminer. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rentrer. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester les bras croisés. Et moi, personnellement, dans mes briefings, avec mes élèves, avec euh, mes formations, avec tout, j'essaye de mettre toutes les cartes en main pour que vous sachiez repérer des entrées, que vous sachiez repérer euh, voilà, comment rentrer de un point A à un point B, tout en euh, faisant ça de façon pas trop risquée, etc. etc. Et euh, voilà, c'est ça l'objectif. Mais personnellement, moi, je vois les choses comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez parmi vous. Est-ce que ça vous parle un peu ce que je viens de dire Pas du tout euh, Voilà, je, je suis curieux d'avoir votre avis. Encore deux mois, ensuite beer. À mon avis, ce bull run sera plus court que le dernier. C'est quoi le monétum Le momentum On va bientôt diviser le prix par deux. C'est ça, ouais. <laughs> ETF, ETH, la fin. Jusqu'à la fin de l'année. Si la S3 est à venir, ça serait dommage de s'en priver. Évidemment que ça serait dommage de s'en priver. Euh, personnellement, moi, je pense que c'est dommage de se priver depuis des mois d'être longue. Euh, Il y a des gens qui, littéralement, ne voulaient pas acheter euh, depuis des mois et des mois et des mois et des mois. quoi. Donc, moi, personnellement, je vois les choses comme ça. Je pense. Je pense hein, que euh, les marchés en général, euh, voilà, sont en train de hausser. Ils sont en train de hausser de façon assez violente. Et les gens sont assez surpris. Mais c'est pareil, il y a un moment où ils vont vouloir aussi euh, rentrer. D'accord Et c'est à ce moment-là où on va commencer à créer euh, justement un besoin. Et on va créer finalement. Euh, voilà, des richesses euh, qui vont disparaître en quelques instants. Donc, est-ce que c'est le moment d'acheter ou il faut attendre Attendre quoi C'est ça que, euh, du coup, moi, personnellement, je pense qu'il faut acheter avec des plans. Avec un plan construit, avec une zone A, B. Euh, voilà, avec un plan. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire euh, Qu'est-ce qu'on veut faire avec ce coin Est-ce qu'on veut la garder Est-ce qu'on veut l'acheter Combien on veut le vendre Bref. Faut savoir ce qu'on fait. On peut pas commencer à acheter, euh, voilà, les, plein de choses qu'on voit à droite à gauche euh, juste parce que euh, parce qu'on pense que c'est cool. Pour les investisseurs, qu'en sortir Moi, je pense, hein, et personnellement, c'est mon avis, c'est que tous les tops se créent de la même façon. C'est-à-dire que tous les tops, quasiment tous. On a la correction, on a le retour de bâton quasiment euh, équivalent et on a euh, le drame. Mais on a souvent la première correction violente, le rebond violent et la correction ultime, d'accord Mais très souvent, c'est ce qu'on a comme réaction au préalable. D'accord Donc, personnellement, quand on vend en tant qu'investisseur, bah, personnellement, je pense que c'est laisser le prix parler. Pour l'instant, honnêtement, euh, investisseur par investisseur, voilà, il y, y, y a rien qui me dit de vendre. Donc, sortir sur le Dead Cat Bands, mais c'est ce qu'il y a de plus dur. Parce que sur le Dead Cat bonds il y a toute la communauté euh, Twitter ou tous euh, les réseaux sociaux du monde qui vont vous pousser à penser que ça va aller plus loin. C'est classique, hein. c'est euh, toujours la même. Et tout le monde veut aller plus loin, plus loin, plus loin. Et c'est l'espoir qui parle. Et euh, par la suite, hein, euh, ce qui se passe, bah, c'est que bah, la correction arrive. Et euh, bah, c'est fini, quoi. Et les gens tentent d'acheter, euh, coûte que coûte, hein, des choses qui tombent littéralement au sol. Donc, euh, le marché coule euh, d'une façon violente. Et au lieu de vendre les dips, au lieu de tenter ici des shorts, bah, les gens achètent, achètent, achètent. Et enfoncent le, le puits, quoi. Donc, quand il y a de la Price Discovery... Le mieux, c'est de laisser le prix parler tranquillement. Et là, actuellement, le prix, il est en train de parler tranquillement, dans le sens où il est en train de consolider, tranquillement. Euh, voilà. Ça, tout ça, c'est de la consolidation. Là, le cours va continuer de monter. Bah, J'en sais rien s'il va continuer de monter, mais pour l'instant, en tout cas, il nous montre pas de signaux de faiblesse. Ça, c'est un, un constat. Une question, pourquoi est-ce que quand moi j'achète, ça part toujours dans, dans la mauvaise direction Bah écoute, dis-nous quand tu achètes, comme ça nous on va vendre. Moi je pense que le mieux c'est qu'on crée un groupe. Et si tu me dis que c'est pareil à chaque fois, moi je suis chaud. Hein Donc oui, quelqu'un te conseille de shorter, en effet. C'est l'or qui a fait monter le prix du Bitcoin. Pff, non, moi, je ne pense pas que ce soit l'or. Je pense que le prix du Bitcoin, il est augmenté grâce à l'ETF, hein, notamment. Hein. Euh, des grands patrons qui parlent du Bitcoin de cette façon. Euh, bref, c'est pas, euh, pas anodin. Donc. Pff, moi, personnellement, je suis prêt à tous les scénarios avec le Bitcoin. Dans le sens où... Euh, voilà, je ne suis pas maximaliste. Euh, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Pour l'instant, c'est une machine qui tourne bien. Et euh, qui, pour l'instant, a l'air de bien tourner. Donc, euh, forcément, ça vaut le, ça vaut le coup. Euh, mais, globalement, quand je vois la price action, pour l'instant, franchement, c'est difficile d'être baissier. Ou si on est baissier... Bah, soit on a de la chance parce que ça flanche est euh, de nulle part et, euh, et dans ces cas-là, tant mieux. Mais là, euh, quand on regarde le prix, il euh, y a quand même l'indication ici que euh, le, le prix n'a pas dit son dernier mot. Donc, je vous rappelle que je vais terminer euh, par deux altcoins, ceux qui ont été les plus choisis. Est-ce que vous avez des idées euh, des altcoins qui ont été euh, choisis euh, dans les commentaires euh, donc ceux qui sont sortis, hein, parce qu'il y a deux coins qui sont ressortis. Euh, Est-ce que vous avez une idée des coins qui sont ressortis Non, je crois qu'il n'y en a aucun qui est passé dans les commentaires. Euh, à l'instant. Donc je vais vous dire le premier. C'est le CAPS. D'accord Le CAPS. Donc très convoité. C'est euh, lui dont euh, tout le monde m'a demandé une analyse. Euh, globalement. Donc, qu'est-ce qu'on a sur cette crypto D'accord Donc, on a, en tout cas, sur BitGet, on revient sur les niveaux où il a été lissé. Donc, on va dire que c'est relativement bien d'avoir ça. Euh, dans le sens où, euh, globalement, ça veut dire que si le prix continue d'évoluer, il va partir en price discovery. Donc, Personnellement, j'ai aucune idée de ce que c'est, mais pour moi, c'est un beau graphique quand même. C'est un beau graphique de reprise, de, 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 de projet qui est parti en vrille, surévalué, à accumuler et à repartir. Donc, pour moi, c'est un beau pattern, d'accord Donc, c'est pas mal, d'accord Donc, certes, on arrive tard, forcément, euh, mais tard par rapport à quoi Parce que si vraiment ça part. Euh, on n'a pas vu vraiment ce que c'est qu'une vague de folie, encore. Euh, une vague de folie, c'est du 40-50% dans la journée. Euh, voilà. Donc, pour l'instant, on a des grosses folies sur... Voilà, on a vu le WIF, 20%, etc. Euh, mais, euh, voilà. On n'est on 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 pas encore dans le ride sauvage. Je pense. Donc... Le Caps faisait partie du coup euh, des Coins. Et l'autre Coin, vous avez une idée de ce que ça peut être? Non, je crois, je crois pas l'avoir vu passer. Là, le deuxième c'est UOS. D'accord Donc le UOS euh, c'est celui qui est ressorti énormément. Après il y a eu pas mal de GLD je crois. Euh, mais le UOS est lui aussi sorti. D'accord euh, Donc que nous raconte ce projet Donc le Caps honnêtement c'est pas mal. Honnêtement euh, c'est quand même quelque chose à surveiller. UOS 40 centimes Il est chaud. Donc, il est en grosse résistance tout de même. Donc, personnellement, voilà, ça me plaît pas, d'accord, dans le sens où, euh, voilà, on rentre pile poil dans la résistance. Donc, euh, personnellement, voilà, j'y toucherai pas. Donc, le CAPS, c'est pareil un petit peu, hein c'est un peu le même, même, même esprit, dans le sens où on rentre dans la résistance. Et ça, ça me dérange un petit peu. Donc,. Surtout quand on revient d'une expansion pareille. En revanche, les perspectives sont, quant à elles, plutôt positives. Si vraiment il euh, y a franchissement de ces niveaux-là. Mais on va avoir du mal. On a déjà retracé une première fois ici euh, en 22. On a retracé ici en mai. Et euh, globalement, il euh, n'y a pas grand-chose qui nous empêche euh, de peut-être refaire la même chose. Donc c'est pour ça que. Je ne suis pas forcément ultra tenté euh, de me précipiter euh, sur l'un comme sur l'autre. Ce que du coup, euh, c'est clair. C'est normal le silence. Je viens d'arriver. Oui, c'est normal le silence. Euh, il y avait question, donc j'attends la réponse. Faut attendre que la résistance devienne support. Ouais, tout à fait. Ouais. En gros, c'est ça. Donc cinq formations VOD ont été gagnées. Euh, donc des formations débutants. Donc euh, même pour ceux qui n'ont pas gagné la VOD, euh, allez-y si vous êtes débutant. Honnêtement, ça vaut le détour. Euh, c'est euh, C'est les bases des bases pour y aller quoi. Euh, si vous n'avez pas ces si bases euh, pour, euh, pour, pour, pour Pour y aller Vous allez forcément laisser des plumes Tu es professeur bah, En quelque sorte oui je suis professeur oui. euh, On peut m'appeler comme ça Professeur Est-ce que tu es aussi investisseur Bien sûr que je suis investisseur. Je suis euh, beaucoup plus actif, entre guillemets, euh, dans mon trading. Mais oui, je suis investisseur. La seule chose, c'est que euh, je choisis bien mes investissements. Euh, J'achète pas 50 choses, de choses que je connais pas. Euh, voilà, je, je, je prends soin de, 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 du moindre euro que j'investis quelque part. Quelle plateforme privilégier en investissement Bah pff, franchement, je pense que Bitget, euh, Zoomex, euh, Bitget, Zoomex, c'est plus pour le, le levier. J'aimerais comprendre le phénomène de Bitcoin. Bon, désolé, c'est pas ici que tu vas là, prendre le phénomène de Bitcoin ce soir. Je suis navré. Là, on parle de prix, on parle de price action, on va pas débattre sur le phénomène du Bitcoin. Merci pour ton analyse, tu es au top. Tu pourrais analyser le AV, et le VET pour un investissement long terme. Merci à toi. Alors. You get what you pay for. Écoute, on va terminer avec euh, les analyses des deux coins que tu as données sur du long terme. D'accord Donc, qu'est-ce que du long terme déjà C'est qu'on regarde le graphique en euh, weekly, monthly. Euh, voilà, on a une perspective euh, éloignée. D'accord euh, De ce qui se passe. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe pour le AV Notamment, on est aussi sur la supply de 2021. Donc tout ça, c'est le dernier mouvement haussier avant la baisse. Donc pour moi ici, il y a un graphique quand même qui est pas mal en long terme. On voit une sorte d'accumulation. On a réussi à s'affranchir d'une résistance. Et globalement la, la, la résistance qu'on pourrait dire qu'on a c'est voilà c'est tout ce mouvement là en fait donc on est sur une zone voilà qui vont qui, où le prix va rencontrer des difficultés euh, mais mais voilà on a réussi à passer un cran donc euh, globalement euh, niveau par niveau c'est ce qui peut nous attendre sur le AV mais, quoi qu'il, qu euh, le point de jonction ou le point de prise de bénéfice ultime, euh, où je pense que euh, c'est une prise de bénéfice à prendre, c'est à 250. D'accord euh, Après, tout peut se passer, tout peut arriver sur les prix. Euh, si ça part vraiment en vrille, euh, personne ne sait jusqu'à où ça peut partir. Mais, se fixer des objectifs, euh, c'est toujours bien. Donc, l'équipe, je termine avec le VET et on a terminé ce live, les gars. Euh, J'espère que ça vous a plu, ce format. On est rentré euh, dans le détail des altcoins. Euh, on est rentré dans le détail des market profiles. Euh, on a vu un peu de stratégie. On a parlé un peu de long terme. Euh, bref, je pense que c'était assez complet. On a parlé un peu d'open interest. Euh, non, ça me plaît pas. Ok, bon bah tant pis, euh, Tug Life. Enfin, code Bullrun 2024. Si par hasard vous avez raté la formation débutant, c'est moins 50% sur les trois formations débutants. Donc moins 50% à choper tout de suite. Hein. Donc Bullrun, Bull, Bull, 2024. Bull 2024. Donc pour ceux qui sont euh, voilà, rapides. Allez-y. Moins 50% sur les formations débutants. Donc, c'est un beau cadeau. Igdacio, je t'invite à te rendre sur le site. Tu tout qui est inscrit. Donc, le VET. Euh, le VET, pas mal. Franchement, c'est un beau graphique avec une belle conso Du coup on a conso on a Pareil, on va dire, sur une supply. d'accord. Dernier mouvement haussier avant la baisse ultime. Hein donc tout ça, c'est un niveau où il y a des vendeurs, c'est sûr. On a le, le mid qui tombe pile poil à 64. Donc quand même des belles perspectives de l'amplitude. Il n'y a plus trop de grosses résistances. Donc globalement, c'est pas mal du tout comme perspective sur le vet euh, quand on regarde ce graphique franchement c'est un graphique qui est pas mal du tout voilà mon avis donc grosse consolidation je pense que les shops sont chargés et euh, je pense que ça peut valoir la peine ouais regarder un délit le shop est chargé euh, bah, de s'intéresser pourquoi pas à ça Voilà l'équipe pour euh, cette analyse. Je vous rappelle que demain, le briefing avec mes élèves, c'est le matin. On réfléchit ensemble chaque matin au marché. On euh, fait tout simplement de la technique. On euh, prend s'il y a euh, des, des trades, euh, bref, on rentre, on scanne le marché pour tenter de le surfer au mieux qu'on peut. Moi, je comprends rien, tes graphiques. Mais on m'a dit que le Bitcoin est une plateforme fiable. <laughs> ok. Merci, Captain. Vrai, merci, c'est toi. Et toute l'équipe en coulisses, c'est vrai, en effet, il ne faut pas les oublier. Il y a quand même pas mal de monde hein, qui travaille hein, chez Captain Trading. Hein. On ne dirait pas comme ça, mais c'est une structure. Euh, je referai des événements IRL, ouais, bien sûr. J'ai jamais trop les réponses ici. Tu me réponds que rarement. Bah, désolé. Écoute, franchement, je tente de répondre à toutes les questions. Hein. Malheureusement, il y en a qui sautent, c'est normal. La vie est dure oh, Tu vas pas être nostalgique chez nous, là Des événements en live à Paris Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas paris, j'essaie d'éviter quand même... merci. allez, l'équipe, excellente soirée à tous. soyez ultra prudents. ruez vous sur le code boule 2024 moins 50 sur les formations débutants. Euh, donc, allez-y. profitez-en. c'est cadeau. Euh... Et puis je vous souhaite une excellente soirée à tous. Ciao ciao.